Welcome to Ardèche, France, in the natural regional park of the Mounts of Ardèche, an exceptional area with various natural resources. In the heart of the regional natural park of the Mounts of Ardèche lies the medieval village of Jaugeac. This picturesque borough, with southern accents, has three castles, including the castle of Rochemure. This old 18th century farmhouse, located at the foot of the extinct volcano of Vivarais, now hosts the Maison du Parc, headquarters of the regional park. In the castle park, which is also a nature reserve for breeding birds, stand century-old horse chestnut trees. La Maison du Parc, c'est un espace qui est ouvert au public, dans lequel on va présenter le parc des Monts d'Ardèche. On a un concentré de parcs sur 40 hectares. Et la philosophie ici, c'est qu'on est dans une gestion totalement écologique de nos espaces. On est un refuge LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Donc pas de produits chimiques, pas de pesticides. Un entretien le plus écologique possible qui a pour objectif de laisser la part belle à la biodiversité, la nature, la faune et la flore. Autour de la Maison du Parc, on a des arbres d'alignement qui sont des arbres remarquables, qui sont pluricentenaires, donc de très gros arbres, en particulier des platanes et des marronniers. Donc ils sont des arbres majestueux qu'on a laissés vraiment dans leur port naturel, on n'intervient pas, on ne les élague pas. Donc ce sont des arbres qui sont âgés, donc qui ont des cavités qui vont servir à un certain nombre d'espèces d'oiseaux. These trees can reach 20 to 30 meters in height and have an average life of 200 years. Gadfossé does not harvest the chestnut fruit, but its flowers. The flowers are arranged in thyrses on the outer side of the tree, where 20 to 50 are gathered into bunches. Horse chestnut flowers are directly collected on the trees using a man lift. Only the fully open flowers are selectively and manually picked in order to avoid any damage. À l'origine du projet, on a étudié différentes parties de plantes du marronnier puisqu'on avait choisi l'Esculus hippocastanum en sujet de recherche. Et on s'est dirigé vers les fleurs qui avaient un intérêt particulier en termes de phytochimie. Et au cours du projet, en fait, nous avons déterminé qu'il y avait une phase particulière intéressante au niveau de la tierce florale, à savoir on récolte ces tierces une fois que les fleurs sont complètement ouvertes. Les récoltants que nous avons choisis pour cette matière, ce sont des récoltants avec lesquels on travaille déjà depuis de nombreuses années sur d'autres matières premières qui peuvent être sensibles. On a complète confiance dans ces récoltants pour lesquels on échange beaucoup aussi, c'est-à-dire que les cahiers des charges sont réalisés en complète collaboration avec eux. Le marronnier fleurit dans le sud de l'Ardèche vers mi-avril. Puis après, ici, plutôt fin avril, début mai, sur Jaugeac. On essaye de récolter qu'un tiers à deux tiers des fleurs. Bien entendu, les grands arbres du parc, on en récolte encore moins, puisqu'il n'y a qu'une partie de l'arbre qui est accessible au niveau de la nacelle. La cueillette se fait de bon matin, elle peut durer toute la journée. Et de toute façon, on n'est pas dans des périodes très chaudes à ce moment-là. S'il fait assez chaud, on met les camions à l'ombre. Et tous les soirs, bien sûr, il faut que les fleurs de marronnier soient descendues à Viva Plante et mises en séchoir. After harvest, the horse chestnut flowers are air dried at between 25 and 30 degrees Celsius without a prior freezing step. The dried flowers thus obtained will be crushed in between 1 and 4 millimeters and shipped to the Gadfossé production site where the extraction process will occur.